Yon lot fwa ankor nou vini pou nou invite ou 10 minutes avant l'heure, 10 minutes avant l'heure, 10 minutes avant que l'émission a commencé. Nou vini sou ekran télévision. Ou même kap gade sou grand ekran télévision dans la kayou, kè swa koto yè. Même kap gade sou laptop ou, sou tablette ou bien sou téléphone ou. Nou vini invite ou pou kapab brancher téléimage, nou pal commencer exactement à 9h, à l'heure précise. Comme nous toujours dit, c'est important d'être ponctuel. Il faut être à l'heure et nous toujours là avant l'heure parce que nous voulons à l'heure pour nous commencer l'émission ensemble avec vous. C'est comme ça que nous avons cassé rendez-vous ensemble avec vous. Dans quelques minutes, pour nous commencer d'emblée dans la programmation que nous avons pour aujourd'hui. Je vous dis en programmation bien chargée. Nous chargez Koulegba parce que nous faisons sortir la République dominicaine. Nous défendons un petit coup de pied dans le pays dominicani. Nous venons avec des reportages de Santal réglé, ça qui a passé dominicani. Dans la semaine qui s'est passée là, une délégation journaliste haïtien sortie Haïti, rivée dominicani. Nous-mêmes, pas beau ici dans la cour New York, la diaspora, nous allons représenter journaliste, médias haïtiens de la diaspora. C'est une belle rencontre. Nous t'ai profité de rencontrer toi avec président dominicain, président pays dominicain, monsieur Luis Abinader. Une belle rencontre côté en pile parole palais, gros politique faite ensemble avec président dominicain. Toute image reportage ici là ensemble avec vous. Je veux dire, c'est ça que nous avons pour une émission. Alors, comme d'habitude, je vous demande à mes internautes, à mes téléspectateurs puisque nous avons monde qui regarder sur internet à travers le monde, nous brancher pas vrai. Salutations spéciales pour tout le monde qui regarder en République dominicaine. Confrère New York, confrère de la presse, New York est branché à République Dominicaine, Santo Domingo. À toute frère ce New York qui n'a pays à, pays dominicani, je dis à, émission sacrée spéciale pour nous, parce que nous sommes la caillou et nous portons image au baou. Donc, encore une fois, amis internautes, nous-mêmes qui branchons sur Internet, là, demandez-nous, s'il vous plaît, partagez live, là, partagez live stream ça, partagez broadcast ça que nous avons fait ensemble avec vous, pour plus de monde capable de profiter de programmation ça que nous avons pour aujourd'hui. Je dis. Comme toujours, Téléimage a-t-il à la tâche pour nous informer, former et puis divertir. Je vous dis à une autre fois encore, c'est ça que nous pourrons faire. Talleux comme ça, dans quelques minutes, à exactement 9h précises. Depuis nos studios ici à New York, Long Island, Queens, n'a privé sous vous, quel que soit côté hier. Vous branchez? Restez branchés. Comme je viens de le dire, je vous demande de nous faire ça pour moi, s'il vous plaît. Je vous demande de nous ça encore parce que moi, que là, je partage avec certains qui sont déjà, qui commencent à monter. Nous, plusieurs ont commencé à monter sur la page Facebook. Alors, il faut dire aussi que la semaine dernière, dimanche dernier, puisque nous étions en République Dominicaine, nous n'avons pas de émission live. J'en ai habitué à faire là, en dans studio. Nous avons fait un live quand même. Nous avons fait une petite retransmission en direct pour nous être capables d'excuser nos bons côtés. Ça, c'était dimanche passé, au songez, mon qui était branché. Sur page Facebook Valerio Saint-Louis, sur page Facebook Téléimage, sur page YouTube Téléimage, nous te dire que nous pas de cas monter parce que tout simplement, et nous t'es en mission, nous t'as travail, donc je vous dis moi ça, nous pas de cas monter normalement, Jean Satadouye, correctement, j'en habitué fait, en dedans studio, nous pas bon ici dans Long Island, ou bien ensemble avec collaborateur, nous Gary Altidor, qui dit même pour aller rejoindre nous t'as le comme ça, depuis ses studios à Queens, New York. Nous pas de cas faire ça, donc fois ça, nous remonter, donc c'est peut-être ça qui fait que vous avez autant de trois personnes qui peuvent monter. Mais pour moun sa yo, m'a justement voué li en bas yo, parce que grand pile moun ki di malheureux, voué ti link lèman mouen. Par contre, qui l'émission a monté, voué le ban mouen, partagez ensemble avec moi. Et c'est comme ça, m'a pas invité nous tous. Partagez, s'il vous plaît. Partagez lien avec zot qui poukou connaît que telle image monté. Yes, oui. Yes, we are live. Nous avons des visages. Alors, des noms qui commencent à monter, qui habituent avec l'émission ça, que nous pas trouvé la semaine passée. We miss you guys, yes. We miss you too. We love all of you. Et sur page YouTube, nous pas regarder sur page YouTube, nous avons de trois monde qui commencent à monter, eux même tout. Donc, comme nous commençons à monter, pas négliger, partagez ce live là. Partagez ce tête là, moi, s'il vous plaît. Partagez le by l'autre monde qui peut vous connaître que telle image is on the air, en live.
Là, ça sont monde qui de façon particulière te mandé m'voyer ti lèk pou li, m'a voyé le bali, moun sa gen lè. Poko branché. Il y a tout monde qui poko branché, m'a mandé nous tout, s'il vous plaît, partagez live là. Oh oui, nous branché. OK. OK, à moun sa yo, nous fait saluer puis ou même tout qui branché là, qui kounya la k'ap gade. S'il vous plaît, pas négliger, partager live là, s'il vous plaît. OK, we're going to start. On a commencé exactement. Dans exactement 3 minutes émission pour commencer puisqu'on est là à l'heure, nous toujours du au fond nous là on time et on commence à l'heure justement. Donc à l'heure, on a commencé heure précise de cette émission qui commençait chaque dimanche. C'est à partir de 9h en live stream sur page Facebook Téléimage, Valérie Saint-Louis, page YouTube nous tout nous brancher. Merci pour ça, nous en pile monde commencer monter sur page YouTube nous, Facebook commencer à venir tout. Merci, the regulars, welcome back. And again, thank you for streaming with us. Thank you for streaming with Teleimage. We shall start in a moment, in about 3 minutes. We should be with you live, coming to you. OK, oui, jodi a gen moun k'ap mande si n'ap fè politik jodi a, nou pa fè politik, gen moun ki deja fè politik sou page nou. Oui, nou wè nou sou page YouTube là. An pil parole commencé parler, gros politik ap fèt là. Jodi a, c'est sûr, depuis n'ap parler d'Haïti, lorsqu'on pense à son cher pays Haïti, c'est la politique, c'est les problèmes, mais c'est aussi les bonnes choses d'Haïti. Il y a de bonnes choses aussi en Haïti, de beaux pays, de belles femmes haïtiennes, bon manger haïtien. Il y a tout ça dans pays a qui fait que pays a nou pa ka la gueule, s'il vous plaît, pas la gueule Haïti, pas la gueule pays ça malgré tout. C'est notre pays et nous aimons en pile. Nous parlons pas de ça, mais je dis, spéciale émission pour ceux-là qui sont en République Dominicaine, communauté haïtienne, haïtien qui est en République Dominicaine, étudiants haïtiens qui sont même dans l'université, et quel que soit côté ou territoire national en République Dominicaine, émission spéciale pour nous. Je dis, une autre fois, nous avons rappelé que grande délégation de journalistes haïtiens qui sont à Haïti, qui a rencontré le président dominicain, M. Luis Abinader, il parle ensemble avec lui. Il parle ensemble avec lui, les reportages, ces images, et puis haïtiens, journalistes haïtiens du moins, avec journalistes dominicains. Il y a mis tête ensemble pour collaborer, pour capable améliorer relations entre deux pays et puis pour créer une agence de presse qui a informé tout le monde sous île pays d'Haïti. Voilà, on va commencer dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, vous êtes bien branchés, amis internautes, amis téléspectateurs. Restez branchés, we shall start with our countdown. Et puis, on sera à l'heure comme d'habitude. C'est important d'être à l'heure. C'est important d'être ponctuel. L'haïtien est à l'heure. Et nous sommes à l'heure, nous aussi, à Téléimage. On commence dans quelques secondes. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Téléimage. Depuis New York, considérée comme la capitale du monde, ici à Long Island, Valerio Saint-Louis, et depuis Queens, New York,
Notre collaborateur Gary Altidor nous rejoint. Bonsoir, bienvenue tout le monde. Bonsoir Gary. Bonsoir Valério. Bonsoir, bienvenue encore tout le monde sous oui. Téléimage. Nous sommes de retour. Ouais. Valério. Tout à fait. Gary qui aujourd'hui porte sa tenue, la tenue vestimentaire de Gary Altidor est très justement très influencée par la culture dominicaine. Donc Gary, je dis à Ougain Saouile, on va bel sou ou un dominicain là, Gary. Tenue ça, bien que il y a pas le faux compliment tout à l'heure, on s'est retenu, on va le compliment, on va le monter. J'ai l'impression ça. À part de compliment, mm-hmm. Ben là, d'arrêt, mec, on expliquait me tenir à Gary parce que au saut dominicain et pour débarquer quoi, bel aussi, dès qu'on aime d'amener pas non. That's not fair, Gary. Et nous pas ta capable de faire ça parce que notre petit tour, nous t'es réalisé que techniquement, faut nous t'es venu avec un petit modèle, même fashion, un petit cadeau, nous t'a pas acheté, etc. Mais nous t'es obligé, bah, public là, à côté nous t'es, parce que pendant nous t'as fait petit tête live, parce que moi, mais là, dit petit tête live là, et nous pas jamais t'es qu'à dire qui boit nous y est. C'est deviner, tout le monde t'a deviné qui boit nous y est. Mais je dis, nous sommes obligés de côté nous t'es, nous pas qu'à faire des téléspectatrices, téléspectateurs à deviner qu'on y a. C'est pour nous dire côté nous t'es. C'est ça que fait, je dis, à me paraître comme ça. Pour nous faire, côté nous t'es, nous t'es Saint-Domingue. Nous passons un bon moment. Nous t'es dans la capitale. Toute équipe, nous t'es dans la capitale là, parce que nous t'es une invitation directe de Palais National Saint-Domingue, hein, avec tout journaliste. Et qui était invité tout, dominicain, et plusieurs, et en pile, même journalistes haïtiens qui étaient là. Mais comme étant donné, définitivement, ils ont exigé, faut nous, Téléimage, t'es là, comme journal, télévision, qui extérieur d'Haïti, mais nous t'es présents. So, de là, je dis, nous balouais, tout le monde balouais, qui ça nous fait l'autre bois, qui ça nous t'est porté vini, dans ça nous tal, et nous t'es constaté, et nous prenons Valério pour aller mettre tout le monde au diapason. Tout à fait, nous prenons saluer Mounio. On commence par saluer les internautes qui sont d'habitude branchés Téléimage. Voilà. Bon, mettre lunettes moi pour déjà me saluer quantité de monde qui est en montée. Il semble que you guys missed us and we missed you too. D'abord, je me rejoins à notre collaboratrice, ma chère femme Barbara, pour nous saluer tout le monde qui branché. Barbara dit me saluer tout le monde pour lui tout. Barbara dit même tout est fait un petit coup de pied. Ensemble avec nous en République Dominicaine. On va parler de ça tout à l'heure. Nous allons commencer l'émission, nous allons parler de ça. Et puis on salue l'ancien consul, ex-consul de la République d'Haïti à New York, un ami de cette émission, M. Charles Forbin, que nous avons plaisir de saluer. Bah, yo red, oui. Chachou dit, bah, yo red en pile. Después, c'est Estados Unidos. OK, bon, ça c'est Romy Romelus qui a parlé là, et Romy a parlé pour lui là. Dali Blaise, bonsoir Dali Blaise, bonsoir Galix Aristide, Gina Bernadel qui fait savoir qu'elle est branchée, salut, on salue Gina, Jean-Jacques Alexander qui est de la République Dominicaine, il semble, moi Dominicani, Jean-Jacques Alexander, salut Jean-Jacques Alexander, bonsoir Farah Désir, bonsoir Monsieur Herbie, plaisir Herbie, I haven't seen you for a while, Herbie plaisir, Herbie qui aime prendre plaisir et qui aime bye plaisir, Herbie plaisir, puis bonsoir à tous les autres, on fait virer sur page YouTube nous tous. Là, on va saluer quand même ceux-là qui sont branchés du côté de notre page YouTube. Ceux-là qui sont branchés YouTube, on salue évidemment Madame Exantus, Madame Gerlange Exantus. Good evening, Valério and Gary. El Luis Bell, nous saluons, bonsoir. Rodrigo Baptiste, branché depuis la République Dominicaine. C'est bien ça, Rodrigo. Salut, Rodrigo. Et puis, Luis Olivier, Nacha Polinis, bonsoir à tout ce beau monde. Larry Venson d'Hiver, bonsoir. Israël Gelin, Israël Gillen, Rose Berdine, Vic Samar, bonsoir tout le monde. Et puis Joël Cruz. OK. The world, OK, Joël Cruz. OK, you're starting. Joël Cruz, vous commencez, oui, là. The world will benefit both Haiti and DR. Yes, nous t'es pas allé de mieux avec le président dominicain. En tout cas, nous allons entrer dans le reportage. Vous allez nous faire ça. Je vais aussi saluer de façon spéciale sur notre page YouTube. Quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours branché, qui supporte l'émission tout de façon pâle. Il s'agit de Mme Jaffna Larose. Bonsoir Jaffna. Jaffna, bonsoir, bienvenue. Et puis, tout l'autre monde qui est branché à la One Badé nous dit un bel bonsoir. On salue, Gary, on salue confrère, consoeur, nous tout, qui était avec nous en République Dominicaine.
Je n'ai pas la liste des noms, mais quand même, je vais saluer Edwin Parison, on a salué et deux trois autres, mais on se songe quelques noms qui étaient avec nous, Gary, dans la mission. Hein? Bon, surtout Edwin Parison, c'est l'ambassadeur Edwin Parison qui est responsable de la Fondation Zile. Et nous pas capable de saluer parce qu'il était un monde qui était très accueilli nous, là nous sommes arrivés. Oui, il a fait coordination à l'événement. Hein? Mm-hmm. Oui, il faut saluer aussi les autres journalistes, notamment M. Gao de Radio Métropole, Marie-Lucie Bonhomme, Marcus Garcia, Venel Romarin, Jacques Sampeur, évidemment, certains noms qui me viennent à l'idée. Je salue de toi, ouais. Qui est en tête. Moi, je t'ai voulu gagner l'ISNA pour te formellement saluer. Parce que tu fais partie de la délégation. Ça, on a parlé d'une délégation de journalistes haïtiens qui sont en Haïti, qui est arrivé à Dominicanie, rencontré avec l'autre journaliste confrère en République Dominicaine. Il y a eu une invitation spéciale pour te rencontrer avec le président dominicain, pile parole parler. En pile politique faite avec le président dominicain, évidemment, c'était de la politique. Donc, nous avons fait ça ensemble avec M. Luis Abinader, président de la République Dominicaine. OK. Alors, nous partons pour une émission intéressante. Nous demandons encore une fois partager live stream, non? Partager broadcast ensemble avec telle image. Nous tous qui branchés à travers le monde, encore une fois, bienvenue. Nous tous, quel que soit côté nous, nous toujours aimé ouais, brancher sous page Facebook, nous. C'est-à-dire que. On nous dit qu'il y a deux pages. Sous page Valérie Saint-Louis, nous connaissons que l'habitude, c'est que nous toujours chauffer ensemble avec nous. Les réguliers sont là. Mais nous connaissons que la quantité d'internautes vont venir. Tout à l'heure, on s'en va le voir. Et puis sous page Téléimage Facebook et puis sous page YouTube Téléimage, nous brancher. Merci pour ça. Juste avant Gary, je pense qu'il faut bien faire ce qu'on doit faire. Et je pense que avant de commencer l'émission, ça, c'est sûr, nous devons saluer quand même des gens qui ont monté là. Je salue Madame Brudan, Michou Denis Brudan, que je salue avec plaisir. Mais il faut dire que juste avant Gary, j'ai voulu quand même, je pense qu'il est important, de saluer la mémoire de ces, je les appelle des héros haïtiens. Je ne fais pas la liaison pour me parler de zéro haïtien. Mais moun sa yo, que nous pouvons saluer mémoire yo, c'est des moun qui mourir, c'est vrai, dans pied de travail yo, mais ils mourir parce que ils étaient voulu, ils étaient décidé protéger et servir. Je parle des officiers haïtiens qui, dans ce moment-là, c'est eux qui font l'actualité, c'est l'actualité du moment où l'intervention a été faite en dedans. On ghetto qui est le village de Dieu, et puis nous connaissons cette histoire. Telle image, je prends le temps, quelques minutes s'il vous plaît, pour saluer la mémoire de ces policiers haïtiens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour servir ce pays. Je me joins à toute l'équipe de Télé-Image pour saluer la police nationale d'Haïti et les policiers, les parents, les amis, tout le monde qui est affecté par tragédie, ça, c'est une tragédie. On salue leur mémoire.
donc saluer la mémoire de ces officiers de police qui étaient dans SWAT team, qui étaient dans la police, dans Boy, dans différentes unités de la police nationale qui tombaient dans ce moment-là. Nous avons information déjà dans l'intervention que tu avais fait en dedans, village de Dieu, ces policiers. Nous avons une liste qui n'est peut-être pas une liste officielle. Je vais quand même lire des noms, juste parce que nous voulons saluer mémoire. Et frères, ce sont des frères, pas des frères d'armes, mais quand même des frères haïtiens, des frères de nationalité, frères de sang, et qui choisissent protéger et servir dans le pays. La liste n'est pas officielle, mais une liste qui circule sur les réseaux sociaux. Nous essayons de contacter la police nationale pour nous joindre une liste complète. Là. Jusqu'à présent, le directoire de la police nationale d'Haïti n'a pas encore émis une liste officielle. Cette liste est officieuse. Voici donc les noms. Nous voulons saluer la mémoire de Stanley Eugène, agent de la police nationale d'Haïti qui est tombé. On salue aussi la mémoire de Ariel Poulard, Georges Renoir, Alexis Georges Vivender, et puis Desilus Whistler. Whistler Desilus, nous t'es sur l'autre chaîne de télévision. Quoi, c'est Caraïbes, si je me trompe, sa maman qui justement t'a versé des larmes, qui t'a agonisé, on nous dit. Parce que c'est pas facile. Alors je pense que nous devons, parce que l'idée est importante pour nous prendre temps ça, pour nous saluer. Pour nous saluer les policiers ça, qui tombent, je ne veux dire, dans le pied de travail. N'est-ce pas, Gary? C'est ça. Nous n'allons pas parler de l'incident lui-même. Puisque il y a une information que peut-être qui peut arriver venir joindre nous, que nous attendons toujours. Nous-mêmes, notre image, nous avons fait bien, nous avons des données beaucoup plus correctes. Plus direct. Bonsoir, Madame Walsh. Bonsoir, Astrid. Yes, indeed, very sad. Très, très triste, Astrid. Ça qui est très triste, enfin, nous comptons causer, nous voyons, il y a circulé sur tout Internet. Les images circulent un peu partout. Donc, vous avez une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, pas la peine de reprendre. Mais nous n'avons pas osé, par respect pour les policiers, ça aurait famille, nous n'avons pas osé montrer l'image. On va passer à commanditaire, parce que nous avons salué commanditaire tout, à 7h précise, 9h14 okay. Dans le studio de New York. On a profité de saluer tout. Valérie, on a salué Michou, Charles. Et son, bonsoir, Madame Charles. Son ami. Oui, Madame Charles, son ami. Et Téléimage, qui m'a un pile conseil. Sous Téléimage, tout hier n'a pas parlé, il remet Choua en pile, il remet Jean nous présenter, et il a besoin qu'on ait qui travaille, nous t'a fait Saint-Domingue. So, Madame Michou, c'est bien ça. Michou Charles, Rétetan, nous allons déposer pour. On a tout profité de saluer Michou, Bouidan, Madame Bouidan. A fait pas nous, Valérie. Nous ne sommes pas capables de saluer. Oui, je l'ai salué. Salut Michael. Salut Talia, on a pu saluer encore une fois, c'est ça. On a pu saluer encore. Yes. Okay. Très bien. Moi voulais saluer les policiers, une autre fois, Gary. Ils méritent, avant de prendre pause pour nous commencer d'emblée ensemble avec programmation. Nous, on salue encore une fois ces policiers haïtiens et je dis leur nom avant de les saluer encore une fois policiers. En audiovisuel. Stanley Eugène, Ariel Poulard, Georges Renoir, Alexis Georges Vivender et Desilus Whistler. Mes amis, messieurs, nous saluons nous à toute famille, ça y est, qui journée aujourd'hui en souffrance. Pays à journée aujourd'hui qui en deuil, la police nationale d'Haïti. Toutes nos sincères condoléances depuis les États-Unis d'Amérique, toute la diaspora vous salue. Thank you.
Les premiers moments de cette émission sont dédiés donc à la police nationale d'Haïti qui est en deuil aujourd'hui, aux policiers, aux parents, toute famille, tout le monde qui paye en général. Et nous-mêmes, tout la diaspora, nous en deuil, je vous dis, à nous te prendre temps pour nous te saluer. Famille nous qui tombait pendant que tu as travaillé, tu as essayé de protéger, servir, pendant que tu as fait mission en dedans. Village de Dieu, c'est un ghetto qui est dans le pays d'Haïti. Regardez toi, réaction qui a tombé là, il y a des gens qui déjà culpabilisé, a dit que nous tous nous responsables, oui, moi d'accord avec Mounsa qui dit ça. La vie nous parler de ça tout à l'heure. Ça, pour le moment, faut nous quand même saluer les commanditaires. On salue les commanditaires parce que quand même, les commanditaires font de cette émission ce qu'elle est. Nous saluons la parfumerie de Barbara. Nous saluons et Big Apple. Urgent Care qui n'a bouclé, tout le monde qui a même permettre que l'émission ça subsiste, nous-mêmes qui t'a aimé, évidemment, participer, dans sponsoriser, dans patronner l'émission ça, nous m'a dit s'il vous plaît contacter Télimage et nous invitons à faire parce que Télimage nous arrive un peu partout à travers le monde et je rappelle que nous sommes aussi et surtout une émission de télévision. Ce n'est pas live seulement que nous faisons sous plateforme, yo, mais nous passons sous écran télévision, tout côté communauté haïtienne dans la zone métropolitaine New York. Là. On salue nos commanditaires, on revient pour la programmation de cette émission aujourd'hui, une émission très intéressante, en live, en direct, puisqu'il est exactement 9h18 dans nos studios ici à New York. Je suis Valerio Saint-Louis. This edition of Téléimage is brought to you by La Parfumerie de Barbara. For all your exotic French perfumes, cosmetics, beauty and hair products from France and Europe, La Parfumerie de Barbara, located at 1935 Grand Avenue in Baldwin, Long Island. La Parfumerie de Barbara, 516-805-2318. We ship all over the U.S. Also brought to you by Belle Image Graphics, 516-292-4400. For all your marketing, printing and graphic designs, Belle Image International Group. Think big and dial 516-292-4400 or 516-399-0244 on WhatsApp. Belle Image Graphics, 479 Hempstead Turnpike in Elmont, New York. Brought to you by the Real Estate Power Team, Barbara and Valerio Saint-Louis. Looking to sell, to buy your house, your property, your home? We are your trusted real estate advisors. Barbara and Valerio Saint-Louis, 516-805-5410. Brought to you by Rio New York, the emerging streetwear brand. Look out for it. www.rionewyork.co. Rio New York. And now, going back to our live stream. Encore une fois, merci à tous ces sponsors qui permettent à Téléimage de vous présenter ce magazine chaque dimanche à partir de 9h sur les réseaux Internet, nos différentes pages Facebook et YouTube et aussi sur les réseaux câblés de la zone métropolitaine de New York. En rappelant que nous passons sous Verizon Fios TV, sous Verizon Fios TV, qu'elle soit côtoyée dans la cour New York ou à brancher, gardez-nous le samedi et le dimanche à partir de 9h du soir sur la chaîne 40. Et puis on rejoint Gary qui est avec nous. Et pour parler justement d'autre chose, il n'y a pas seulement eu de mauvaises nouvelles, des tragédies en Haïti. Ce n'est pas les mauvaises nouvelles seulement qui nous intéressent. Il y a eu aussi de bonnes choses qui se sont passées aujourd'hui, notamment, il faut parler de ça, parce que je voulais vous dire à Gary, il faut nous râler quelques images pour nous parler de ça, Gary, ben, qui t'a parlé de lui, puisque Gary, évidemment, on t'a gardé graduation, ça qui t'est faite, je veux dire. Oui, c'est extrêmement belle, je veux dire. Et Fondation Aristide, Président Aristide et Madame Aristide, t'es dans la graduation et toute promotion, ça y est aujourd'hui. Et si on m'en manque, je ne pas prier pour regarder, même ta jour, on met point de temps pour regarder qui s'est fait dans le pays aujourd'hui. Et il y a plusieurs catégories de métiers. Nurse, docteur, et dans plusieurs domaines, dans la Fondation pour Aristide, je dis, hein, qui font belle bagaille. Présentation vidéographique là, extraordinaire. Logistique là, côté tout le monde rangé pour te chita. Discipline qui te gagne en dedans, élève, c'était un bagaille extraordinaire. Je souhaite tout le monde.
al gade si nou ta manke l jodi a. Valérie? Tout à fait, Gary. Et je pense que moi, tu à juste titre, nous parlons quand même bah, des esquisses d'images. Pourquoi pas? Regardons ensemble certaines images. Voilà, la graduation de la Fondation Aristide aujourd'hui, UNIFA, je dis à te font belle graduation. Nous cherchons pour nous voir combien d'élèves qui étaient gradués. Nous avons pile en pile en pile avec Toge et puis Capio. C'est beau à voir. Là, son, ça, sont belles bagailles. Et là, ne déplaise aux autres, ce n'est pas de la politique, c'est l'appréciation pour quelque chose de beau. Là, c'est diplôme qui a parlé. Il y a des gens qui n'ont pas un diplôme, ils n'ont pas un diplôme. Mais heureusement que, malgré ce qu'on peut lui reprocher, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, lui-même, il a un diplôme. Et voilà qu'aujourd'hui, il a encore une fois gradué de plusieurs quantités d'élèves. Alors, nous cherchons, je cherche toujours pour moi, parce que je ne t'ai pas d'information bien. L'université de la Fondation Dr. Aristide, graduation à licencié en droit, et il y a gagné des infirmières qui graduent, des médecins de différentes branches. On a regardé l'image là. Vraiment, c'est beau à voir. Nous voulons féliciter la fondation du docteur Aristide, l'université de la fondation, qui, je dis, a montré que PIA, ce n'est pas ZAM seulement qu'a mis dans mes jeunes. Yo. Au lieu de ZAM, non, qu'a mis ton diplôme dans mes jeunes. Yo. Ce que l'on peut reprocher au président Jean-Bertrand Aristide, on peut le lui reprocher. Moi-même, personnellement, peut-être que nous d'accord que nous avons à lui faire des reproches. Mais aujourd'hui, il prouve, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, hein, c'est chaque année qu'on graduation comme ça. On a regardé l'image là, on a quitté nos gardes d'image. Les visages sont beaux, regardez mesdames, yo, beautiful. Là, ce sont les infirmières. Pour ça, on a battu bravo. Et pour ça, faut que nous battons bravo. C'est important de le faire parce que je pense que quand il y a de bonnes choses qui se font, quel que soit le monde qui fait là, nous-mêmes, nous là, pour nous dire bon bail qui fait. N'est-ce pas, sans faire de la politique. Alors, les réactions qui nous viennent, il y a des gens qui, évidemment, des réactions par eux. On pourrait reprocher, évidemment, à Jean-Bertrand Aristide, à un certain moment, d'avoir prêché la violence, d'avoir prôné les outils que nous tous connaissons, que tu as prôné. C'est le passé, quand même. Aujourd'hui, on peut aussi lui reprocher d'avoir volé l'argent de la caisse de l'État. C'est approuvé, et c'est aussi c'est le passé. Je veux dire, la Fondation Aristide a réalisé une superbe graduation qui a fait plaisir à tous, à plus d'un. On regarde l'image là encore une fois parce que ces images, avec toute information qui vient joindre nous là, de, bon, enfin, de cadavres mutilés, de policiers qui ont tué en dedans village de Dieu, au moins ça fait la balance. Ça permet de nous dire que Haïti peut quand même souffler. Il y a de l'espoir parce que cette quantité de jeunes, ça veut que moi là, ces visages rayonnants, déjà avec le front altier, tête levée, à regarder, yo fier, regardez là, c'est beau quand même. Jeunes gens, jeunes hommes, qui yo même, jeunes femmes, yo bon avenir quand même devant eux. Je ne veux pas parler trop, mais je pense aussi, après recherche que je fais, la fondation du docteur Aristide, lorsque vous graduez la donne, diplôme non équivalent au diplôme étranger, je n'ai pas de précision sur ça, je me retiens, mais je cherche information toujours. C'est dommage que je allé dans le site, site internet, fondation pour me joindre information, je joindre. Mais quand même, nous t'avons montré quelques images. Rappelons que ce sont des images tirées d'une station consulaire, c'est Télépacifique, qui t'a fait aux transmissions en direct, Gary, et qui t'a présenté l'image, ça y est. De belles images que nous vous présentons. Très belles. Donc, telle image, dit bravo encore une fois, vraiment bravo à la Fondation Aristide, bravo, monsieur Aristide. Il y a plus de monde qui a battu bravo. Hein. Tout le monde sait, nous pas obligé la valasse pour nous battre bravo. Bah oui, est-ce que d'accord? Voilà. Tout ça, ce sont des cœurs, des applaudissements pour la Fondation Aristide qui font bel travail, je veux dire. Il faut préciser, et là je vois sur leur page Facebook, m'a regardé là sous page 1, que c'est pas c'est année 2021, année ça, mais 2018-2020, il y a une promotion tout est gradué, on cherche le nombre de gradués. C'est ça m'a cherché là. Notamment à la polyclinique de la Fondation du Dr Aristide, il y a une installation de matériel pour les cliniques dentaires, on salle d'urgence qui a installé tout, il semble un hôpital est en train d'être construit par la Fondation Aristide. Voici ce genre de choses que nous prônons, que nous voulons encourager dans le pays. Et pourquoi pas, nous demanderions à tous nos anciens présidents qui sont encore en Haïti, qui sont encore en vie, pourquoi ne pas faire pareil? Si il y en a nous qui ont pile go et go nous gros, fais même genre avec Jean-Bertrand Aristide, font bel hôpital, font gros université. Mettez-nous sous lit, pourquoi pas.
Vous avez bien le droit de le faire. Mais, please guys, give back to the country. Can you do that? Nous qu'a fait ça. Bravo à M. Jean-Bertrand Aristide. Voilà, donc c'était la Fondation Aristide, je vous dis à Gary, qui au moins fait nous bon l'autre. On va pas manquer ça. On l'autre souffle. Parce que Jean-Nouvel, le tap tombé là, bah, nous tapons des qui tap fait là, yo, image, il tap vint jouer nous sur WhatsApp, nous, sur Internet, tout côté, mes amis, au moins nouvelle ça, yo, nous qu'a balancé avec des beaux visages de jeunes filles, de jeunes femmes, de jeunes gens, qui fiers qui apprécient votre diplôme, on a mis Fondation Aristide, qui gradue, justement. Alors, réaction rapidement, Lefty Bo, qui fait qu'on est que lui-même n'est pas la valasse, mais ça fait preuve que nous pas obligés de même opinion pour nous construire le pays. Exactement. Tu as dit Jean-Baptiste Saint-Louis, ma chère maman, bravo, belle bagaille. Oui, nous battons bravo pour ça. Sabrina Jean bat bravo pour ça tout. Michou Charles a bat bravo pour ça tout. Tout le monde a bat bravo. Mais bagaille pour nous bat bravo pour lui. Mais bagaille que nous t'a aimé parler de lui tout le temps. Notre ami Joël Seyd lui-même tout bat bravo pour ça. Astrid Walsh, bravo président Aristide. Enfin, je pense que ça vaut la peine pour nous battre bravo pour eux. Sur notre page YouTube, nous joignons Rose Berdine, Vic Samar. Si tout le monde était fait, il était bon, oui. Pas seulement ça qui pas bon pour eux afficher, l'image qui pas bon, mais il y a ça qui est bon tout pour nous parler de eux. C'est ça que nous voulons faire. Okay, là, on ne parle pas de Jovenel Moïse, monsieur Jean-Lucien Aurélien. Ok, c'est peut-être pas encore le moment de parler de Jovenel Moïse. Là, nous parlons de Jovenel Moïse, nous avons montré ça, le fait tout. Le président Jovenel Moïse, quand même, il construit route, il y a un courant que le bail dans certains côtés dans le pays. Que Valérie, Timoun Sayo a besoin pour le servir. C'est ça. Ouais. Faut nous protéger tout ça que fait déjà, c'est pas nous craser, brûler. Krabinin, l'elfine fête, et puis après ça, le ap chache yo, après 2-3 jours, pas joine yo. Nous t'a souhaité que Timoun Sao qui fin diplômé a joine route pour yal bay santé dans tout justement, province qui gen yo, parce que gen route yo déjà. Wos di yon bagay ke bote la ki wojwen nou, li wojwen nou la gari. Malgré yo, yo gen diplôme nan, yo pa kal travay, yo pa kal joine travay. Ça, c'est l'autre question. Mais quand même, il y a diplômé. On est d'accord à ça. Quand même, bel diplôme. On regarde encore. Regardez ça. Quantité jeune qui joue un diplôme, yo, joue un travail à son autre question. Et je le disais, nous avons parlé de ça off micro, Gary. Peut-être que ce sont des jeunes qui sont préparés pour la République dominicaine. C'est peut-être dominicain qui n'a pas le travail. Peut-être que nous avons ici aux États-Unis, dans l'autre île. Oui, même pas. Je ne peux pas dire ça, Valérie, parce que nous avons un pays qui est malade quand même. Si nous avons tant de ça, tout le monde a dit, si nous avons tant de plaintes, tout le monde, surtout sur Facebook, là, nous avons un pays qui est malade. Mm-hmm. Ça veut dire, si nous avons un geste comme ça, un groupe de jeunes, ça, tout le monde qui fait graduer, il faut qu'on l'autre pensé pour eux, pour qu'ils soient ouverts, par opportunité, à un moyen pour qu'ils soient jeunes côté pour le travail, parce que Castro te fait. Souri avec Cuba, j'ai un paquet de médecins qui chita, un paquet qui te quitté Cuba, qui vient en Haïti, qui bat un paquet de coups. Mais peut-être c'est ça, président Aristide, ouais, qui fait l'assidu à former Timoun Sayo pour demain, pour nous avoir l'autre vision de sa pays d'Haïti. A dit, afin de ne pas jouer un travail, faut que nous suspendions, faire magouille, pour nous manger, faire travail. C'est pas ça pour nous, ouais, faire pas faire travail. Timoun Sayo préparé. Yo diplômé, m'ba kwè kounya nou bal pran tan pou nou fè interview avec yo, se mete yo au travail pou yo bay santé nan pays. Mais quand même, mais faut joindre travail. L'idée c'est que faut joindre travail, gars. Eh bien, que tout moun ki responsable met tèt ensemble, menm jan, et pou yo bay travail, pou yo bay ti moun yo travail. C'est ça. En tout cas, c'est la première demi de cette émission, nous écoulé premier 30 minutes d'émission, on entre d'emblée dans la programmation. Nous, aujourd'hui, nous pourrons entrer en République dominicaine, côté que nous proposons des reportages autour de ce qui est passé en République dominicaine dans la semaine qui s'est passée là. Plusieurs journalistes haïtiens sortis dans le pays d'Haïti, rentrés dominicains, rencontrés avec homologues. Ils ont été chita, puis ont parlé de la presse en général. Ils ont sorti avec un accord qui signé en deux pays. Ils ont gagné une agence de presse qui supposait être faite là pour capable permettre. Tout le monde sous-ilé a joué une bonne information sur Haïti et la République dominicaine et vice-versa.
Et puis, ces journalistes haïtiens et dominicains étaient chita tout avec le président dominicain, M. Luis Abinader. Telle image est sous place. Gayati doit être sous place tout ensemble avec telle image. Nous allons présenter l'image ça. C'est ce qu'on va faire. Et puis, nous proposer, si nous avons le temps, parce que y a des gens qui disent, Valérie, il y a un qui pas trouvé interview que nous avons réalisé avec deux dominicains qui ont été kidnappés en Haïti. Il y a une République dominicaine pendant que Dominicani, nous avons rencontré ensemble avec eux. Si nous avons le temps, nous avons évidemment fait nous le plaisir pour nous présenter l'interview, ça encore une fois. Il y a des gens qui voient déjà, mais. Ce sera pour le plaisir de ces amis internautes qui n'ont pas encore vu cette interview. Ok, on commence la programmation. Nous allons entrer dans la République dominicaine. Côté quand pile cause est à parler, nous allons parler politique évidemment. Vous êtes bien branchés, c'est ça? Tout le monde qui est branché, bien été branché. Dans quelques instants, on va prendre une pause avant de revenir avec nos reportages depuis la République dominicaine.